Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est le Gamer44, donc là, alors je me déplace, voilà, donc ça fait un petit peu de bruit. Eh bien, je recommence mon début de vidéo, voilà, donc, eh bien, salut à tous et à toutes, c'est le Gamer44 pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de mon Let's Play sur Sonic Color, uniquement sur la Team Let's Play. Et donc je tiens à m'excuser de cette absence, donc c'est tout simplement parce que en fait je deviens un petit peu addictif à code, Call of Duty si vous préférez. Et j'ai plus en même temps plus trop le temps de tourner des vidéos et parfois j'ai un peu la flemme aussi, donc je tiens à m'en excuser. Donc voilà, on va commencer cet épisode les amis. Et c'est parti donc. Alors on va mettre continuer. On va choisir Let's Play. Donc j'ai pas du tout avancé hein, comme à chaque vidéo, à part l'autre où je vous ai dit que j'ai eu un bug. Donc, hop, c'est celui-là. Bon, allez, go! Acte 4, Sweet Mountain. Donc, montagne de bonbon. Voilà, donc, oui, ma traduction en anglais est géniale. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Bon, pas risque que vous m'entendez mal. Bon, voilà, j'ai bougé l'ordi en même temps que ça faisait le truc. Alors, hop, merci, cool. Donc, cet épisode, je crois que cet acte, je m'en souviens, donc. Cet acte est assez, comment dire, c'est pas trop de la vitesse, on va dire que c'est plutôt de l'ennemi, enfin non, pas d'ennemi, du tâtonnement si vous préférez. Tout simplement, j'espère que quand même que cette vidéo vous plaira. Bon. On va se casser la tête. Oh putain. Oh merde. Bon tant pis. Enfin si, on va se casser la tête, enfin moi je vais me casser la tête parce que... Merci Jean-Paul. Merci Jean-Paul. C'est cool, je passe à travers. Ok, bon, bref. Hop, donc j'espère en tout cas que ce Let's Play vous plaît, hein, tout simplement. Enfin, il me plaît tout autant qu'à vous. S'il vous plaît pas, il me plaît pas. Non, je déconne. Moi, il me plaît en tout cas, ça me fait super plaisir. Ok, hop, bam. On s'amuse. Allez, c'est qui le lion maintenant? Fuck yeah. Bon, attendez, voilà. Bref, alors maintenant on va là, voilà sur la plateforme qui nous fait monter. On se concentre. Donc j'espère que vous m'entendez bien par Audacity. Voilà. Oh ouais, c'est qu'on gère du boudin. Ah, bon, ça c'est déjà pas mal. Hein. Il y a certains niveaux sur Sonic, hein, c'est sûr qu'il n'y en a pas tous. C'est vraiment de la vitesse et de la vitesse agréable et pure et facile. En un, c'est un petit peu différent. Donc oui, la partie, enfin ce qui est bien aussi sur Sonic, enfin ce qui est bien, ça dépend des visions, mais c'est que parfois on est obligé de revenir à un endroit qu'on a déjà fait pour découvrir tous les niveaux, quoi, toute la partie du niveau. Hein. Pas forcément le finir en toute rapidité, mais découvrir le niveau, enfin voilà quoi, trouver ce qu'il y a, et etc, etc, quoi, finir le jeu à 100% si vous préférez. C'est sûr que c'est plus simple à dire. Donc on est enfin en week-end, hein. Je pense que je peux tourner que des vidéos que le week-end. Et c'est ça qui me fait chier, parce que pour moi le week-end, c'est comment dire... Enfin, non, c'est pas ce que ça me fait chier, c'est que ça dépend des jours, on va dire. Parfois j'ai pas envie de tourner des vidéos, et parfois j'ai envie, c'est... Bah c'est spécial, quoi, c'est comme tout le monde. Mais parfois je m'oblige, alors je sais qu'il faut pas que je m'oblige à tourner des vidéos. Et c'est ça qui m'embête. Ouais. On a fini le niveau. C'est trop bien ça. Non, excusez-moi, parfois je cogne l'ordi ou je sais pas, je fais des petites conneries avec, donc ça fait en sorte que tout simplement, ça fait du bruit dans la vidéo et je m'en excuse. Donc ce qui est cool, c'est qu'on est à date B. Allez, suivant. Donc on a fini ce niveau. Donc c'est sûr que sur Sonic, là, je pourrais dire juste, on a fini ce niveau et point barre. Peut-être que sur ma chaîne principale, je ferai peut-être un speedrun, je sais jamais. Donc pour ceux qui connaissent pas ce que c'est un speedrun, c'est un des membres de la Team Let's Play en fait souvent, c'est en fait, donc là c'est un niveau un peu plus agréable. C'est hop, merde, voilà, faut que je me concentre. Bon allez, je vais y arriver. Alors un speedrun, c'est en fait, tout simplement, vous connaissez SpeedArt ou autre. Donc, en fait, un speedrun, c'est terminer le jeu entièrement le plus rapidement possible. Donc, ce qui veut dire qu'il faut tout simplement faire ça en une vidéo, si vous voyez. Donc,
Parfois ça peut durer 5 heures, plein d'heures quoi. Donc voilà, peut-être que j'en ferai une sur ma chaîne s'il y en a qui s'intéresseront. Enfin j'en ferai un mais peut-être un peu plus tard quoi, je vais pas voir. On se en faire un parce que déjà faut le réussir. Déjà faut le réussir. Bon évidemment ils seront pas préparés hein. Si le vache est un démon de Team Esper, et je crois qu'il fait une espèce de Zelda Skyward Sword. Fait souvent des speedruns, enfin il en fait pas mal on va dire. Ça peut durer une heure, enfin en tout cas je vous invite à aller voir sa chaîne, même si vous êtes sur la Team Let's Play, où vous êtes automatiquement peut-être, je dis bien peut-être, allez vérifier, voir un petit truc sur sa chaîne YouTube. Alors hop, voilà. Voilà, on gère. Donc franchement, ce que j'ai peur, c'est que vous m'entendez pas. Je sais pas pourquoi. J'ai tout le temps cette phobie, mais en regardant le son d'Audacity. Eh, mais ça me fait chier cette fusée. What the fuck? En fait, ça sert à rien, ok. Ah, voilà. En fait, je crois que c'est vraiment quand t'es en pleine vitesse, quand t'es en. Que... Mais pourquoi j'ai fait ça? Ah, voilà, c'est comme ça. Allez, on se concentre. Oh oui. Voilà, enfin. J'avais eu peur. J'avais une de ces peurs. C'était beau. C'était très très beau. C'était d'une de ces bugs. Merde. Voilà. Là, on gère, les amis. Alors. Donc, évidemment, les épisodes, hein, ils changent pas. Hein, tout en 20 minutes. Comme je vous ai dit, hein, je suis pas trop préparé aux vidéos longues. Donc, hop, putain. Excusez-moi des gros mots. Ah, bon sang. Oh mon dieu. Ah mon dieu. Ah, mais c'est pas vrai. C'est quoi ce bordel? Allez. Ah, mais comment j'y arrivais avant? Bon, évidemment, si on fait pas grand chose à cette vidéo, je vais la rallonger, hein, ça c'est sûr. Mais quand même, ça fait un petit peu chier. Voilà. Allez. Non, tu me fais plein spécial Trollface. Oh là là, je crois que je vais accélérer la vidéo. Moi, bon, voilà, parce que là, c'est ma vie de la vidéo. Ah là là, c'est quoi ce bordel? Voilà. Non. Non. Putain, c'est horrible. Voilà. Enfin, les amis, enfin. Ah, j'aime pas vous présenter des c'est à cause de ces genres de moments qui ne sont point agréables. Allez. Voilà. J'ai eu peur. J'ai eu une de ces peurs quand je me suis mis à faire le saut là, enfin, sur les murs, quoi. Allez. Ah bah dis donc, on aura mis du temps à finir ce niveau, les amis. Oh purée. Oh limite, j'avais envie de faire un effet tiré, mais je crois pas que je vais en faire parce que... Oh là là. En fait, c'est pas le même logiciel. Ça serait bien que Pinacle Studio, il enregistre en même temps l'audio de ma voix, mais ça serait un peu compliqué. Donc du coup, je suis obligé de faire ça avec Audacity, je suis obligé de faire... Genre, je démarre la capture, puis après, 1, 2, 3, et hop, je démarre donc. L'audio de Audacity, donc c'est un... Faut faire un timing, on va dire, si vous préférez. Donc c'est parti pour le niveau suivant. On va essayer de terminer cette planète, si vous préférez, sur cet épisode. Vous allez voir le boss. Je sens plus s'il est fort ou pas sûr. Bah en fait, ils sont tous simples, à part le boss final qui m'a un petit peu cassé le coup. Non, s'il est fort. Bon, pendant cet épisode, pendant ce niveau, je vais essayer aussi de... Je me souvenir comment il est ce boss. Ah si, j'ai ma petite idée en tête. Ah oui, je sais. Je sais comment il est. Vous verrez. Je vous dis juste un indice, c'est le pirate. Voilà. Bon, maintenant vous allez vous dire un truc, vous allez peut-être vous dire autre chose, et voilà. Vous verrez. C'est le suspense de cet épisode qui va vous donner automatiquement envie de regarder la fin. hop. Bon sang. Ah, c'est pas vrai! Oh, c'est quoi ce qu'on voulait? Oui. Non. Attendez, je vais essayer de passer comme ça. Oh mon dieu! Non! Non, non! Ah bon! Putain, bon là, ça y est. J'ai sorti le grand mot!
Le grand mot qui tue, évidemment, hein, c'est le but. C'était beau ce que j'ai dit. C'est du beauté. Allez, go. Bon, merci robot, tu gâches ma vie. Grâce à toi, tu as gâché ta vie, tu es mort. Voilà, c'est... Alors... hop, donc les cubes bleus, en fait, on peut pas les exploser. Vous pouvez les exploser que quand vous aurez un Wisp spécial. Donc là, toi, tu dégages. Vous pouvez les exploser que quand vous aurez un Wisp assez spécial qui, vous verrez. Alors, je mets ce suspense. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on le découvrira à la prochaine planète. Donc là, on vient de bug. Le final, c'est bon. On a quelle note? C'est ça, c'est bon. C'est bien, c'est trop bien. Right, wesh, wesh Sonic, la famille. Bon, allez. Magnifique danse. Bon, ça, on a un petit peu mieux géré ce niveau, on va dire. Même si ça me... C'est de plus en plus galère, on va dire. Ça comme ça. Donc là, on est presque à la fin de ce niveau. Ah bah, on est déjà au boss. Cinématique, je me tais. Donc voilà, hein, l'indice que je vous ai dit. Ouais. Faut pas... C'est horrible. Donc voilà, quand je vous disais pirate, je pensais au bateau pirate. Hein. Donc voilà, c'était un indice, je pense que vous y avez pensé. Donc on est parti pour le boss. Oh, la génération elle serviteur. Là, c'est en fait c'est à moitié un parcours. Et puis c'est des phases de combat, donc ça fait super longtemps, mais bon. Hein. Je suis assez, je dirais pas intelligent, mais je suis pas con quand même. Donc voilà. Il y en a qui vont se poser des questions, donc d'abord vous avez quand même pu remarquer, là je viens de attaquer l'interrupteur là, et là on a une phase ici, donc là je crois que ouais, c'est bien ce que je pensais. T'as les autres qui vont nous foncer dessus, donc ils sont méchants. Hein. Bon, je dis qu'il est facile, hein, mais il n'est pas forcément facile parce que je trouve qu'il est aussi fou. Ça m'a aussi galéré. Voilà. Et c'est pas fini, hein. Juste pour vous dire. Donc ça va. Hein. Je dirais que c'est pas un boss facile, mais c'est pas non plus un boss dur. Nuance, quoi. Donc, hop. Hop. Voilà. Donc, si je comprends bien, quand on prend les boules rouges, on perd des lignes. Voilà. Allez. Hop. Donc, voilà. Et puis là, on a encore une phase. Donc, c'est comme chaque jeu, comment dire, de plateforme, un assez grand classique. Les boss, hein, ça se tue en 3 coups. Bon, évidemment, de plus en plus dur, hein, c'est pas aussi facile à chaque fois. Ah, putain. Je dirais pas putain, parce que c'est vulgaire. Mais je veux dire, bon, allez. Putain. Quelle originalité. Oh, ça c'est des conneries du boulot. En plus, c'est la première fois dans l'épisode qu'on le cuise. Donc là, vous inquiétez pas, on revient pas au premier coup. On est au deuxième coup, donc je vais réserver cette attaque pour le troisième, je pense. Non, mais on est des petits fifous de la street. Je suis un gros fifou, oui, je sais. Oui, je sais, je suis un gros fifou. Oui, ok. Oh. À la tête. Oh, méchant garçon, bon, ça va. Oh, bon sang. Voilà. Allez. Attendez, go, voilà. Enfin, on l'a battu. Non, on l'a pas battu. Voilà, là, on l'a battu. Il reste encore un coup, je crois. Bah, ouais, ça serait logique. Bon, c'est assez rapide, des boss. À part le dernier qui... Enfin, le boss final. Qui est vraiment... qui m'a vraiment cassé le cul, on va dire. Bah... Le kiff là, comment je croûte les câbles, c'est impressionnant. Merci, attaque de héros des putas. Je vais dire ça comme ça. Si vous savez ce que ça veut dire, donc puta c'est dire pute, et héros c'est dire fils.
Donc je vous laisse à 100 000 2 et vous avez une belle insulte. À ne pas faire bien sûr, hein, c'est juste que je rajoute juste pour faire un jeu. Hein. Bien sûr à ne pas faire, ne vous inquiétez pas. Faut pas faire ça, je fais jamais ça. Hein. Je suis un mec gentil. Bonjour, c'est Fanta et Bob Lennon. Bon tant pis, allez. Non, bien sûr, c'est pas Fanta et Bob Lennon, c'est mieux, c'est le Gamer 44, vous leur direz à Fanta et à Bob Lennon. À Bob Lennon. Voilà, donc on va recommencer le niveau. Ouais. Enfin non, on recommence le niveau. Enfin, on recommence la troisième partie de ce boss. Donc je vous dis, c'est un boss facile. Enfin non, c'est pas un boss facile, mais c'est pas un boss dur. C'est plutôt mieux de dire c'est pas un boss. Ouais, bon, il n'est pas facile, mais il n'est pas dur non plus. Mais c'est comment dire? Je dis ça, mais vous aurez pas trop de difficultés à battre, mais seulement le problème c'est que c'est moi, donc c'est automatiquement de la merde ce que je fais. Donc, ouais. Maintenant vous avez compris, donc. Oh putain, ah moi j'ai cru que ça le défonçait aussi avec ça. Bon, je crois que là on a fini le boss. Non, on a pas fini. Ah, moi je m'attendais pas à ça, wesh. Eh, mais vas-y, wesh. Je m'attendais pas à ça, wesh. Alors là ça m'étonne, je sais pas d'où ça vient. Peut-être qu'il y en a 5. Alors là je suis sûr qu'on est au deuxième niveau parce que là on est en troisième via. Je suis sûr parce que là les boulets ils commencent à devenir méchants. Allez vas-y Wes, on va exploser le boss Wes. Par contre en y pensant la toupie si vous préférez, elle sert à rien techniquement. Hop, putain. Ah, faut pas que je me fasse défoncer. Faut pas que je me fasse défoncer, wesh. Hop, hop, hop. Allez, les rings. Les rings. Ouais, yes. Allez. Allez. On... Ah, putain. Oui. Je crois qu'on a fini. J'espère qu'on a fini. Oui, on a fini. C'est d'une beauté, les amis. Oh, c'est d'une beauté, mais c'est d'une beauté, allez, pour la peine. Merde, je voulais lancer le whist. Bon, je pense que j'ai un score de merde, donc voilà, ça va. C'est bien. Hop. Allez, bam, alors les explosent. Ouais, j'ai récupéré un ring. Et qu'un seul ring. Bon, allez. Cinématique, je suppose. Donc je précise, je m'excuse déjà parce que peut-être vous aurez un bruit de fond en arrière qui vient de ma télé, qui vient du jeu, et qui sera enregistré par Audacity et non par Blazel, donc vous aurez peut-être un double fond. Donc voilà, excusez-moi. Et je vais s'écouter la cinématique tout simplement. ないもんな。それとエッグマンのことだと思うけど、ウィスプたちはヒゲタマゴって呼んでる悪いやつがいて。ヒゲタマゴだって？そのまんまじゃないか。 オッケー、覚えておくぜ。僕はもうメモしたよ。そいつがウィスプのエネルギーを吸い取って使おうとしているらしいけど、悪い警察？悪い性格？違うな。分かった。悪い計画のために使おうとしてるんだ。大した機械だ。その調子で頼むぜ。あれ、どこ行くの、ソニック？決まってるだろ。ヒゲタマゴを探すのさ。 Et voilà les amis, nous avons fini, nous avons, comment dire, tenu notre parole de finir ce niveau.
cette planète et donc nous allons nous attaquer. Qui est personnellement, je crois, le plus mauvais souvenir. Je crois que c'est celui-là. Et celui-là. J'aime pas trop ces niveaux parce que c'est le genre de niveau où il n'y a pas trop de vitesse. Ou c'est plutôt. Oh, je m'en souviens plus, j'ai pas trop de confirmation. Mais voilà, j'aime pas trop ces niveaux. J'aime bien celui-là et surtout celui-là. Voilà, bref. J'espère, enfin voilà, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et oui, nous sommes déjà à 20 minutes. J'espère en tout cas, les amis, que cette vidéo vous aura plu, car on arrive à la fin de ce troisième épisode. Je tiens déjà tout d'abord à me réexcuser de cette absence. Et donc, on se dit à très bientôt pour l'épisode 14 du Let's Play de Sonic Colors. Voilà, c'est dit. Et donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous aura plu, likez, abonnez-vous à la Team Let's Play et pourquoi pas à ma chaîne YouTube. Si ça vous plaît, en tout cas, moi en tout cas, je suis très content de faire ce Let's Play. Et moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 de ce Let's Play. Oh yeah. Oui, c'est la classe de dire un oh yeah. Donc, c'était le Gamer King 4.